Oui. Bon, mais bonjour. Depuis hier, nous sommes mercredi, et j'ai projeté une balade, une visite du parc naturel du Tria, et dans la province de Choco, donc dans la région où je suis installé, Lodge Adjamenal, à Vaillé, la commune de Vaillé, tout près de Vaillard-sur-Lannon. Alors, ce matin, nous avons visité la réserve de Utria. Alors, bon, en 2 heures, on ne peut pas tout faire. C'est vraiment la nature à l'état sauvage. Hein. Bon, il y a de tout, il y a bien sûr des plantes. Il y a un domaine donc faune et flore intéressant, très très riche. Je vous parlerai plus tard. Et jusqu'à des plus féroces et jusqu'à des mammifères comme les tigres. Enfin, une sorte de tigre, un puma ou. Bon, les singes paresseux bien sûr. Et tous les oiseaux, colibris, toucans. Alors là, au retour, nous sommes au retour et nous sommes arrêtés dans une petite plage, plage déserte. Bon, il y a un couple de Français avec moi et les deux guides. Et donc je vais me baigner dans une eau de 25-28 degrés. Et c'est un sable blanc, contrairement au sable noir que nous avons face au lodge. Mais bon, le sable noir, ça me perturbait un petit peu au départ, mais maintenant je suis habitué. Bon, on est un peu crade noir, ouais, mais bon, un coup de douche et puis c'est bon. Mais le pays magnifique, hein, donc voilà. Donc vous aurez des extraits de vidéos et de photos. Voilà. Donc ça donne ça quoi. Hein. La plage déserte à Robinson-Creusot. Vous faites déposer ici et vous campez. Et si vous n'avez pas peur des pumas, l'écosystème marin est formidable. Bon, mis à part les très connus, les baleines qui viennent se reproduire ici une fois dans l'année ou deux fois dans l'année, et les tortues marines, bien sûr, qui viennent pondre leurs œufs. Le milieu marin est très très riche. Alors il y a des requins et bien sûr toutes sortes de poissons tropicaux, et bien sûr les amoureux de diving, c'est des spots qui sont pas encore exploités pour le tourisme, très peu exploités quand même. On peut faire du snorkeling, je vais essayer d'en faire du snorkeling d'ailleurs. Alors voilà, je fais le tour de la plage d'abord. Alors bon, ça. Hein, au niveau de la selva, ça donne ça quoi. Hein. Ah, voilà. Les arbres de 30 mètres de haut, 40 mètres de haut. Alors, je suis pas déçu de mon séjour, hein, jusqu'à présent. Je crois que j'ai fait les bons choix. Bon, il y a encore d'autres choix à faire, encore d'autres régions à voir, mais il faudrait 3 mois pour visiter la Colombie. Peut-être qu'un jour je le ferai. Donc, j'ai entendu parler par les jeunes français qui voyagent. Hein. Les jeunes de la génération de Florestan, de Pauline et de Juliette voyagent beaucoup.
Et donc, ils m'ont parlé de l'Amazonie. Et il y a les Caraïbes, bien sûr. Et puis d'autres régions, comme dans le... La Colombie est très divers au niveau de la géographie. Il y a trois cordillères quand même. Hein. Et bon, voilà, alors là, il y a les rochers. Ça doit être un sacré sport pour attraper les crabes et les crustacés. Donc ça, il faut pas y aller du tout parce que là, se baigner là, c'est difficile. Bon, mon français, c'est sympa parce qu'il n'y a pas trop d'anglo-saxons. C'est les Français qui aiment ce coin, en fait. Tout ce qui est écologie, les Français sont assez intéressés par l'écologie, donc. Les anglo-saxons, ils viennent pas. Ils viennent pour boire la bière. Bon, là. Bon, je coupe et je vais me baigner. Allez, je fais un reverse, si je peux. Un reverse, non, je fais pas un reverse. Je vais rater, reverse. Bon, je commence un peu à gérer l'appareil de Samsung, là. C'est pas facile, hein, pour moi. Allez, je coupe. Allez, salut Hugo.